pousser, voilà, aller vers l'avant. Moi, avant de découvrir le deuxième titre qui est Amakerani, c'est ça? Amakerani Marbouna, ouais. C'est-à-dire? Amakerani Marbouna, ça, c'est un autre style de musique. C'est la première fois que je fais ce style-là. Parce que cet album fait égal les styles. On a essayé de faire tous les styles qu'on peut les traiter. Ça veut dire, c'est un nouveau style pour moi. Au niveau mélodiquement, et les paroles, c'était Ahmed Hamadi. Je dois le remercier de passage. On a essayé de Amakerani, ça veut dire Nishkilma. Parce que Nishkilha, ça m'a Kerani Marboun. Ou Trouh ou Touli, mais qu'est-ce qu'il m'a dit? De toute façon, ça c'est véridique. De toute façon, ça c'est véridique. D'ailleurs, je vais parler des Maghrébins. Nous, les Maghrébins, on est plus proches la mère. De la maman. On se confie beaucoup à la maman, mais pas au papa. Hein, non, pas ça, du tout. Sûr. Alors là, ça, non. C'est sûr. Bon, on va marquer un temps de pause, Fouzi, et on se retrouve juste après, car il y a la pub qui démarre toute seule. Hein, je peux pas la contrôler. Et on se retrouve. Ça passe très très bien. Ça passe. Look. En tout cas, je ne sais pas ce qu'ils en pensent, nos chers auditeurs auditrices, et peuvent intervenir en nous appelant au 0892 23 99 50 0892 23 99 50. On écoute le morceau et on salue le deuxième morceau qui est dédié, on va dire, à la maman. À Makerani Marbouna. Voilà. Allez, c'est pour vous. On se retrouve juste après sur France Maya, France Maya 2. On tira très prochainement. On vous dira la date, hein, on vous dira la date, chers amis auditeurs. Mais j'aimerais aussi savoir ce que vous en pensez de cet album, des paroles de Cheikh Fouzi, de tout, de son style. Vous avez le droit de donner votre avis en nous appelant au 0892 23 99 50. أما كيراني مغبون وهما حتى طريق ما هي بينا وهي يلا شكون يحسن عوني شكون هما قوت لي قلبي ديك الخاينة وهي علشان يا شادرت لها وعلاش هكا غبلتني شامي خممت نبدلها ساعة هي خدعتني وأما كيراني مغبون وهما قوت لي قلبي ديك الخاينة وهي شكون يحسن عوني شكون هما حتى طريق ما هي بينا وهي والله ما أمت عيني وفي لقنود نحكمها زعما كانت تبغيني أنا كنت مأمنها وأما كيراني مغبون وهما حتى طريق ما هي بينا وهي شكون يحسن عوني شكون وهما كويتي قلبي ديك الخاينة وهي من ساعتها راني مشوكي وطاير من عقلي ديما لمن نهضر لمن نحكي من غيرك انت يا يما واما كيراني مغبون وهما حتى طريق ما هي بينا وهي شكون يحسن عوني شكون وهما قوت لي قلبي ديك الخاينة وهي شوفوا زيد حكينا شويه
هل التيتر هذا تاع اما كيراني مغبون هنا هي سيتياسيون تاع 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 واحد كي سو ماري وعندها دي بروبليم في لو كوبل تاع سافدين ما ينجمش يحكي لصحابه ما ينجمش يحكي لخوته ما ينجمش يحكي لخواتاته سي لو سول ريكور اللي يكون عنده بيان وتكون عنده ليكوت سي سامير سافدين يحكي لامه كيراني مغبون علشان راني مشوكي وانا شادرت لها حسبتني راني وحدي وعلاش هكا غبنتني شو سيجي بارول نقيين بارول نقيين ما فيهمش ما ونيفو ميلودي سي با دو راي سي تسمعها سي با دو راي سي ان اوتر ستيل دو ميوزيك On est content, oui, on est content, c'est autre chose. Voilà, on a fait une recherche avec, avec chacun, l'imam, ses arrangements, c'est sa musique. Voilà, je goûte là, je dis, ce sujet, je dis là, je dis, on va prendre du temps, je dis ça, c'est pas grave, on prend du temps, mais pour faire, je dis là. Parce que c'est là. De ma part, c'est très réussi, la mélodie est Shabba. Les paroles, je sais pas. Est-ce que c'est vraiment des paroles vécues? Bon, l'auteur c'est Ahmed Hammadi. Ou Ahmed Hammadi, معروف pour les sujets تاعها, ça veut dire au niveau des paroles oui. Au niveau des paroles, il est connu. Bon, c'est un grand monsieur. انا نعرف حمادي depuis les années 90 في وهران. ما عرفت حمادي في فرنسا. Ahmed Hammadi, انا عرفته في وهران كنت جن. كنت انا كي نجري مع حمادي نعيطوا لشيخ انا كي كنت نشوف حمادي كان مع لي كون ستار على ليبوك مصرو حسني ان ارتيست نا با في كلكو شوز او لارتيست نا با مالوروزمون دون سو دومين لا سي تري سي تري ديفيسيل فوالا سي تري ديفيسيل سي بور سا جو دي ا دي جون موا سا مارونج باسكو الحمد لله جي في بوكو دو شوز ا اورون او نيفو كولتوريل او نيفو جو بار كولتوريل باسكو موا جي با فريكونتي كيما قلت لك لي كاباري اون الجيري J'ai fait côté associatif, les galas, les mariages, les soirées au niveau de la ville d'Henri Lizen, Mahaskar, j'ai fait tout, hein, Alger, Constantine, Annaba. Ça veut dire, j'ai fait côté culturel. Parce que, écoute, les cabarets, c'est ça le problème. Parce que, alhamdoulilah, j'ai eu l'opportunité, oui, j'ai côtoyé des grands artistes en Algérie, alhamdoulilah, parce que j'étais modeste. J'étais un artiste que je peux interpréter sur scène au niveau des familles. Parce que les organisateurs en Algérie, ils me contactent pour ça. Pour ça. Fouzi, t'as l'image, on peut te proposer au niveau des grandes soirées. Alhamdoulilah, j'avais l'opportunité. N'koun ma'a Cheikh Khaled, Hajj Brahim, que je lui passe un grand bonjour et bonsoir. C'est un grand artiste. Hambouk, Hajj Brahim, Cheikh Khaled, il dit que Cheikh Fouzi, il dit qu'il y a un spectacle en 2002. C'est pas donné, mon frère. En 2002, qu'un autre des artistes qu'on est à l'échelle internationale, vrai, nationale. Mais Cheikh Fouzi, qui fait qu'un ma'a في هذيك البيريود خويا ما كاش انترفونسيون ما كاش معارف سي غرزيل سي لو بونتونسيال سي لا كريديبيليتي سي لا فاصون دو بارلي لا فاصون دو جيري اي لا فاصون دو فوار لي شوز سي سا لارتيست بلوس لا فوا كاين دي كريتير بور افوار ان ارتيست الحمد لله جافي لوكازيون سي ريكوني دون سيت البوم On reconnaît toutes ses qualités dans cet album, c'est-à-dire ce soit la façon de chanter, la façon de t'exprimer aussi, les textes, la musique. Alhamdoulilah, j'avais l'opportunité et l'occasion de faire ce spectacle avec Hajj Brahim. J'avais la chair de poule. Et le jour qu'il m'a contacté, l'organisateur de la POI de la Villa Yadoron, j'étais surpris, j'étais à l'université. Bon, Fouzi, tu vas chanter avec Khaled. Oh, et Khaled Gah Lestar, Fouzi. C'est pas n'importe qui. Ou on a dit, on a dit, Hajj Brahim, c'est un grand chanteur. Ça veut dire en 2002, c'était la première fois, je pense, à ma connaissance, et au bout de l'Ouharan, il dit un grand spectacle, le centenaire de la ville d'Oran. C'était la première fois qu'on fait un centenaire de la ville d'Oran. C'était l'État qui a organisé tout ça pendant un mois. Ça veut dire que j'avais l'opportunité de faire ce show avec Cheikh Khaled, mais c'est pas donné, mon frère. Et maintenant, tu vois des gens qui parlent. Attends mon frère, reste dans ton coin mon frère. Exactement, il faut rester humble dans la vie. Attends, dans la reste humble. Jusqu'à présent, dans les médias, surtout en Algérie, que j'étais cette année à l'été, ils m'ont invité, ils m'ont dit Fouzi, tu es resté toujours la même personne, t'as pas changé. Mm-hmm. Je change pas, parce que ça sert à rien. Ça sert à rien mon frère, on n'est rien sur terre. Tu es un artiste, vas-y, éclate-toi, exprime-toi, donne à ton public, vas-y, exprime, donne des bons textes, des bons sujets. Si tu es un célèbre, pourquoi pas? Si tu n'es pas un célèbre, tu travailles pour avoir une célébrité. Mm-hmm. Parce que c'est facile d'être un star.
mais c'est très difficile de sauvegarder et de rester. C'est très difficile. De garder sa place. Voilà, la célébrité. C'est très difficile. Et moi, أنا راني رايح حبة بحبة وحدة بوحدة ولا درجة بدرجة أنا نقول حبة حبة من بعد درجة بدرجة هذيك ما نعاودوها هذيك ما عليش هنروحو غير وحدة وحدة علاه في الألبوم هذا فيه بزاف صوالح وإن شاء الله لي زوديتور كي يسمعوا فوزي لوغاي لوفر Voilà, l'oreille lover. Faites attention. Voilà. C'est l'oreille lover. D'ailleurs, si vous voulez voir ce qu'elle fait chez Fouzi, voilà le site. Vous allez sur www.chub-fouzi.com. C'est le site officiel. Voilà, là, vous pouvez le voir en chair et en os. Voilà, voilà. Plus qu'en os qu'en chair, comme moi. Voilà, il y a tout. Il y a une biographie, il y a tout ma carrière artistique depuis 89 jusqu'à présent. Voilà. Avant de passer à un autre titre qui n'a rien à voir. Car tu as mélangé un peu le style, ouais. Qui n'a rien à voir avec l'oreille. Ouais. On va dire, on va repartir sur un autre style. Hein. Une petite question qui m'a traversé l'esprit comme ça. Allez, Zayarnis. Ce qui m'a plu dans ton album. Voilà. C'est pourquoi ? Parce qu'on sent qu'il y a de la recherche. Voilà. On sent qu'il y a du travail. Regardez un film, Ça fait une année déjà. On sent qu'il y a de la passion dans l'album, dans la façon dont elle a été travaillée, dans l'interprétation, dans les textes, on sent qu'il y a une passion dans la musique. Gardner fait bzaf, je parle au niveau des paroles, au niveau de mélodie, Gardner une année pour faire un album. Que live, tu peux le faire, Yomi, ou la Lila, ou la Kamada. Mais Gardner, ça veut dire.